Salut YouTube, bonsoir, bonjour, je sais pas quand est-ce que vous avez regardé cette VOD, mais salutations. Comme promis, on continue le story mode avec vous sur Pokémon Legends Arceus. Cependant, voilà, bon alors déjà plusieurs choses, vous le constatez effectivement à ma droite, gauche, là, à l'autre côté. Nous avons enfin mis à jour l'overlay parce qu'il s'est passé des trucs en off YouTube, On a un petit peu pex, on a un petit peu exploré la zone, on a été faire quelques captures, on a papillonné bien plus que de raison, mais au moins on s'est bien amusé. Histoire que vous voyez un petit peu parce qu'on en est rendu YouTube, voici donc. Le Typhlosion, je sais plus si vous l'aviez vu le Typhlo, le Typhlo Feu Spectre, je sais plus si vous l'aviez vu ça, je m'en rappelle plus. Donc le Léviator capturé dès la première VOD quasiment. Le fameux Galopin Baron qui nous avait posé tant de soucis, bah, je suis retourné le chercher et on l'a capturé. J'en ai profité, j'avais chopé un Luxio format Baron également que j'ai fait évoluer en Luxray et que j'ai gardé également. Et ensuite, alors ce Hachécateur, je dois bien vous dire que ce Hachécateur c'était un petit peu le pif en me baladant dans une zone random pendant notre session de papillonnage sur Twitch. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez le lien en description. On est tombé sur un Insécateur Baron, dites-vous, rien que ça. Et du coup, bah, il se trouve que j'avais de côté un morceau d'obsidienne dont la description semblait coller à peu près à ce qu'il fallait faire avec un insécateur. On la use et boum, Hachécateur derrière, Hachécateur Baron, évidemment on est ravis. Le fameux Serfrous que vous aviez connu assez tôt d'ailleurs, parce qu'on l'avait capturé juste avant de rencontrer le Léviator, donc a fini par évoluer en Serbiline, donc j'ai réussi à comprendre un petit peu la mécanique pour pouvoir le faire évoluer, c'est relativement simple. Je vous spoilerai pas cependant YouTube pour l'évolution du Serfrous, hein, on maintient évidemment le suspense hein, si vous voulez chercher par vous-même. Si toutefois vous voulez quand même connaître la méthode, n'hésitez pas, vous avez le champ commentaire en dessous, je me ferai une joie de vous répondre. Donc, là c'est bien joli tout ça, on rigole, mais on sort pas de cette zone, donc il serait peut-être temps qu'on quitte un petit peu tout ça quoi. Mets un pouce bleu et abonne-toi aussi YouTube, ça fait longtemps. Ouais, YouTube ils ont vu la dernière VOD je crois hier ou avant-hier. Alors du coup on continue story mode, alors où est-ce qu'on en est? Enchanté, je suis Uis, je fais partie du corps de la défense, est-ce que tu voudrais bien me capturer un osphère un petit pour me le montrer? Ouais, d'accord. Ouais. Mais c'est une secondaire ça, c'est pas une mission principale. J'ai déjà un osphère un petit, je vais pas aller en capturer un autre. Hein. Vas-y cadeau. On dirait Pépé Serfrous, mais c'est un reine du Père Noël, hein, tous les jours. Hein. Tous les jours. Hein. Examine dans ses yeux. Attends. Il a perçu. Hop, voilà. Il sait où ses yeux? Il en a pas? Bah non. Ah oui, il a pas de nœud. C'est vrai qu'on est dans une époque où tout ce qui touche au Pokémon, les gens, ils en ont peur. Le fail du début de la VOD. Comment ça, le fail? Ah oui, le secondaire. Ouais, bon, c'est pas grave. Bien sûr, quel excellent conseil, mais t'es menteuse, mais tu fais de la garde de lui toute seule. Y'a pas de mal à demander un peu d'aide extérieure parfois, bah oui. Vas-y, va chercher un osphère un petit, voilà, c'est bon, t'es contente. On gagne offensive extra. Ah oui, alors on avait des composants pour crafter ces trucs-là, mais on n'a pas la recette. C'est quoi, c'est un attaque plus? Augmente beaucoup la puissance offensive d'un Pokémon pendant un combat, les fait disparaître si le Pokémon est retiré. Ouais, c'est le même délire, quoi. Same shit. Galopin de base fait 1m70 pour 95 kg, le Galopin Baron. Et 3m40 pour 228 kg. Bah, c'est à peu près les specs de mon Galopin, ouais. 3m40, 228, ouais. À YouTube, hein, si vous voulez vraiment avoir un ordre d'idée. Je pense que vous l'aurez compris que ceci n'est absolument pas la taille standard d'un Galopin normal. Hein. Voilà. Mais en attendant, on rigole. Du coup, elle est là la mission principale, alors. Attends, non, c'est pas comme ça. Trop d'input. Trop d'input, c'est... Oh, toutes les... Oh, tous les pings pour les missions secondaires qu'il y a ici. Oh là là, je vais crever. Martial, la gardienne du Marais Carmin, est venue à Rusticité afin de demander conseil au dirigeant Cormier. Viens, on va aller voir Cormier. Rip Cormier d'ailleurs, hein, rip. Hein. Cormier parti trop tôt. Hein. Cormier, symbole de ma jeunesse. Hein, et de toute la jeunesse de... des générations années 80, début 90. Hein, bien sûr. Hein. Hop. Et merci Raito Koryami qui nous raid avec un groupe de 3 specs. Bonsoir tout le monde, salutations, bienvenue. Est-ce que j'avais été validé ma quatrième? Je sais plus. On s'en fout. Merci en tout cas, merci d'avoir pensé à nous, ça fait plaisir. Installez-vous confortablement, on est en train de... Ça y est, on a enfin décidé d'arrêter de papillonner sur Legends Arceus et on se décide enfin à continuer le story mode. Bonjour. Je crois qu'il a 30 levels d'avance sur le story mode. Ouah, tout petit peu, ouah, ça, ça, ça,
Ursa King aussi. Voilà, un Ursa King. Les Pokémon monarques ne sont pas les seuls à pouvoir devenir enragés. Un Ursa King. Et, attends, quoi, genre, ils ont un rapport sur un Ursa King baron, là? Vas-y, j'achète. Non, la gardienne d'Ursa King, c'est un autre monarque, alors. Une vraie tête de Salut. J'ai toujours ma dégaine incroyable. Hein. Formidable. Hein. Là, tes Pokémon sont prêts pour la suite des aventures. Ah ouais, 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 bah comme je disais à l'instant, ouais, je suis assez... ouais, ça va. Je suis confort niveau performance. Rends-toi au Marie-Carmin pour faire des recherches sur Ursa King. N'hésite pas à employer la force si nécessaire. Ah ouais, grosse mission de recherche, quoi. La prochaine mission est au Marie-Carmin, donc on va changer de zone. Les Pokémon, ils sont nettement plus puissants que ceux des plaines obsidiennes. Contrée hostile avec des vallées escarpées et des vertigineuses falaises. Avec ton rang actuel, tu devrais pouvoir explorer le Marie-Carmin. Ok. Va aux ruines Bon Vivre. Là où se trouve l'Agena, la gardienne d'Ursa King. Ok. Très bien, donc on va pouvoir découvrir une nouvelle zone. Eh bien, c'est pas pour me déplaire. Un peu de nouveauté. Du coup, je me tire. Eh, vous avez refill le stock, là? Ah, nouveau produit très spécial. Un lot de banana, bah seulement 1000 balles. Des bananes? Ouais, non. Pour 1000 balles. J'ai 37 000 sur moi, je sais que j'ai 60 000 en poussière d'étoiles dans mon... dans ma box, mais quand même. Ah oui, effectivement, j'ai eu ce talent inné pour le papillonnage intensif. Cherche à affronter quelqu'un et te voilà. Ah, t'es sûr? Oh, je suis désolé. Ah non. Ah non, tu devrais pas. Ah. Avec ton Pikachu. Ah. Je pense qu'il va vraiment te détester après ce qui va suivre là. Ah, non, puis vas-y, on va commencer à bolosser des enfants. Ah. Niveau 19. Excuse-moi, petit gars, ça a rien de personnel. Hein. Je suis désolé. Y'a rien de... Prends-le pas perso, hein, vraiment. C'est terrible. Ton Pikachu qui a réussi à outspeed mon baron? Quoi? Oh, tiens. Ah ouais, je m'attendais pas à ce que mon Galopa de niveau 48 se fasse outspeed par un petit merdeux de... qui a moitié moins de niveau quand même. Ah oui, d'accord, t'as admiré l'attaque des Pokémon. Donc le canasson là de 3m50 derrière, c'est bon, c'est ok, ça passe là. Oh bah apparemment, c'est validé. Salut Xavier. Oui, je confirme, il va t'en vouloir, oui, parce que vu ce qu'il vient de prendre... Ah, oui. Une nouvelle méthode de confection. Ah. Des solutions furtives. Baie boulon et 3 plantes répulsives. Alors, des plantes répulsives, j'en ai. Baie boulon, par contre, j'ai pas encore. Fais des recherches au sujet des distorsions spatio-temporelles. Reproduites récemment, ici et là. Est-ce que, à tout hasard, ça aurait un rapport avec le merdier au-dessus de la montagne qui est juste, genre, là, à la limite de notre champ de vision? Attends, quoi? On y trouve de très beaux objets, mais ça renferme aussi beaucoup de Pokémon très puissants. Ah, mais c'est comme le système de faille dans Usul. Ah oui, c'est comme les failles de Usul. C'est pareil. D'accord. Oula, ah oui. T'as fait la même zone, là. Au bivouac du marais, oui, bah oui. Donc maintenant, ça y est, là, c'est cette mécanique de faille, elle vient d'apparaître. Bon, j'ai trouvé des trucs.
Ah! Qu'est-ce qui a chié sur mon écran? Ouais, on va aller au marais, ouais. Ouais. On ne sait jamais ni où ni quand l'une d'elles va se produire. Jamais pratique, c'est s'afficher sur ta carte. Tiens. Oh, pff, oh bah d'accord, ah oui, c'est visible quand même. Sur des endroits dangereux où apparaissent de puissants Pokémon, si vous avez malgré tout le courage de vous y rendre, vous aurez peut-être la chance d'y trouver des Pokémon et des objets particulièrement rares. Ah. Tiens. C'est quoi ce blé en 2 FPS? Ah non, là, la zone, elle est vraiment... Oh, au secours. Oh, le marais, il est pas beau. Hein. Oh bah merde. Ah, c'est le marais, là. Hein. Dégueulasse, quand même. Pas se mentir. Hein. D'accord. Bonjour. Bon. Eh ben, mes enfants, ça va papillonner sec. C'est terne. Oui, c'est très très terne. C'est fade, ouais, comme zone. Hein. Oh, un rose bouton. Il y a un psychoguac, mais des jaunes. Moi, je veux pas le petit canard en plastique jaune, je veux le petit canard en plastique bleu. Ah, mais le blé, on avait l'impression qu'il était mal animé parce que les sprites se superposent. Ah, mais d'accord, mais c'est bon, mais c'est tout. C'est Rin. Ah, moi, je veux le rose bouton. Je veux le petit machin, là. Blé. Ah, zut. Du risélé. Niveau 19. Ah, hein. Ça sert à quoi le riz zélé? J'en ai eu deux. Magnifique épi de riz qui semble déborder de vie, particulièrement apprécié des Pokémon terrestres et des attirants. Ah, c'est un appât! D'accord. C'est donc un appât. Debout. Et là, j'arrive, première zone, rose bouton shiny, let's go. Ah non, je suis pas gourmand, moi. Elle est noire, fragment de fer, je. Par contre, c'est clair que dans les épis de blé, s'ils nous mettent des roses boutons, elle va pas voir grand-chose. Hein. Rose bouton, qu'est-ce qu'on a comme nouvelles espèces ici? Des parasses. Ah, vous me faites chier les grosses mythes, là. Barrez-vous. Des ruines et tout. Qu'est-ce que... Tant fumiste. Ah, c'est comme ça. Non, mais oh. Ouais, vous allez cramer en fait, ouais, vous allez juste bien cramer, ouais. Là! C'est comme ça, je vais vous soigner vos champlars que vous avez sur le dos, là. Enfoiré. Elle est plus poisonnée? Oh. Je sais, c'est pas le moment, mais va regarder les élus. Ah! Qu'est-ce que tu m'as trouvé comme dingue? Oh, waouh! T'as trouvé un sprite de Serbilin Shiny. Extraordinaire. Eh ben, je vais pouvoir, du coup, l'update sur l'overlay. Ah bah, nice. Bah, je ferai ça après la VOD, du coup. Bravo, papy, merci! Joli! Nos artistes ont du talent. Hein. Sachez-le, YouTube. Hein. Ah bonjour. Un boule de nœud baron. D'accord. Salut. Alors, je sais pas encore comment je dois faire pour aller te voir, toi, mais... Attends. Je vais noter ta position sur la map. Tu es visiblement... Ah, bah là où il y a un objet, bizarrement. Donc, bon, bah voilà. On va mettre un ping ici. Donc, tu es là. Ok.
Et vu qu'il y a deux autres objets qui ont été laissés par des joueurs un peu plus en bas de la map, il y a fort à parier qu'il y en ait d'autres qui aient canné. Ah, c'est vrai que les petits cocos qui sont agressifs. J'ai oublié ça. Nos Joe qui sont agressifs. Hein. Feuilles rondes. Quoi servent les feuilles rondes? Ressources utilisées pour la confection d'objets à lancer une fois déployées, ces feuilles peuvent servir également d'emballage naturel. Pourquoi pas, hein. Après tout, why not, hein. Canard! Oula. Pourquoi cette zone est sans brume, là? Ah, parce que c'est la zone en scénarium pour pas... Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment? Mais qu'est-ce que c'est que cette purée qui vient d'apparaître sur mon écran, là? OMG? C'est vraiment un Pokémon, ça. D'accord. Ah. C'est dégueulasse, frérot, sache-le. C'est dégueulasse, donc indispensable. Hop! Surprise, motherfucker! Uh oh. Tu fais d'arrêter de jouer. Bonjour, alors décède, voilà, c'est tout, voilà. J'en ai vu d'autres ailleurs. Bon, vraiment, je me confectionne des masses balls. Par contre, ce brouillard atroce là, c'était vraiment nécessaire. Ah, la vache, que c'est horrible. Parasse partout là, mais foutez-moi la paix les grosses mythes là. Finalement, je vais prendre le bois. Les arbres, on voit rien. On voit rien. Allô? Les arbres, le brouillard, on voit que dalle. Les restes d'un feu de camp. Ok. Quand 360p, c'est infâme, je vois plus rien. Ah, je t'assure, hein, en 720p sur une carte de capture étendue à 1080p sur un écran 1440, c'est une drôle d'expérience aussi. Hein. J'ai vu un pont là, à l'instant. Putain, mais c'est terrible, on voit rien avec ces arbres. Il est là. Oh, enfin, ouais, c'est un pont, ouais, vite zef, quoi. Tagada, tagada, voilà les Dalton. Oh. Oh là, Jean-Michel Cringe, là. Il y a quoi là-dedans? Salut! Paf! Oh! Tiens, tiens, tiens! Je t'ai pas de cette couleur-là, toi. Non, c'était pas un shiny. Pokéboule. Oui. Ah mais, il s'en va? Reste là! C'est bon, il est pris. Hop! Attraper le Chuditix. Et ben voilà, on l'avait pas de cette couleur-là, mais... Qu'est-ce que... Quoi, ces conneries? Mais il a l'air bien, lui. Salut! Ah, c'est ça, fuis, va-t'en! Un psycho gouac. Ah, la pression qu'ici c'est la suite et fin du cauchemar. Y'a quoi là dans cette zone marécageuse à part blablabla.
C'est infâme ce brouillard. C'est vraiment, c'est la pire idée, quoi. Mais vraiment, c'est... C'est terrible. Hein. Ça défonce les yeux. Oh merde. Ah. C'est maintenant... It is now. Ah bah oui, oui, je suis sur lui. Ah bah d'accord, j'ai pas fait gaffe. C'est vraiment un gros tas de merde. Hashtag Ian Malcolm. M'en veuillez pas, j'essaie Vici. Hein. C'est qui? C'est un boule de nœud. C'est l'évolution du sac de nœud de la première génération. Sauf que là, il est en version quadruple XL parce que c'est la version baron d'une taille absolument colossale. Et niveau 45, ça va encore. Non, t'étais bien quand tu me tournais le dos. Oh oui, d'accord. Ah, c'est marrant, il n'y a plus le brouillard ici. Oh, dommage. Hop. Vous avez pris boule de nœud par surprise. Coucou. Alors, qu'est-ce qu'on... Mais toi, silence flamme. Sans trop de violence. Silence flamme, family friendly. Au moins, je les ping sur la map. Voilà, voilà. Ah, par contre, il y a un sac de nœuds, là. Tiens, tiens. Puissance, ouais, je m'attendais pas à ce que je lui fasse autant de dégâts en fait. Je pensais pas que j'allais l'abattre en one shot. Beaucoup trop fort, Typhlosion, beaucoup trop fort. Allez, un baron c'est pas censé être résistant, bah théoriquement si. Ouais, j'ai peut-être été chatouillé sur le seul terrain où il fallait pas aller quoi. Oh, puis merde. Dans la boîte. Ok. Le petit canard. C'est quoi dans l'eau là? C'est quoi ces étrons brillants là? Ah bah c'est à l'heure! Oh merde! Ça suffit! Ah mais lui il a été me chercher à l'autre bout du monde quoi. Meurs! Juste! Là! Après si t'as genre 10 levels de plus que lui, l'affinité favorable pour lui trouver les fiacs quoi, mais je pensais qu'il aurait à minima tanké. Par contre, le cradopo, c'est pour moi. Dans la boîte. Hop. Allez, Typhlosion, va chercher la boule dans l'eau. Non? Ah bah encore, regarde, t'es rien, mais t'es mal à la taille du rat, quoi. Là, la monture, elle est vraiment pas pratique parce qu'on va absolument pas où on met, où on reste. Hein. T'as joué à Legends Arcus, je peux juste dire coucou, ça fait longtemps, je vais dormir, bonne soirée. Ça marche, c'est véridique, mais merci d'avoir pris le temps de passer. Une bonne soirée, une bonne nuit à toi, et puis bah, écoute, à une prochaine, pas de soucis. Je suis là, mais je suis crevé, donc je vais passer en plein écran, des bisous le chat. Et bien, à tout de suite, monsieur Thatch, alors.
Là pour l'instant j'ai juste temporairement stoppé d'avancer dans la mission principale. Juste le temps que je puisse commencer à passer place dans l'inventaire, mais OMG. Hein? Oh là, mais j'en ai ramassé un tas de merdier là. Oh mais j'ai encore des pierres dans tous les sens, oh là là, c'est terrible. Hop. Champiscotto. Ah oui, bon, on s'en fout. J'aime pas les champlards. Ça c'est... Ah d'accord, ok, on est revenu, on est sur la zone au-dessus du camp. On est au-dessus du start. Ah, d'accord. Ouais, c'est bon, non, remettez pas le brouillard, c'est bon, j'ai compris. C'est bon. Pokémon gracieux. Ah bah j'ai rien vu dans cette zone qui corresponde à cette description. Hein. Oh là là, j'ai rien compris. Cradopo. Ah bah ça tombe bien qu'on soit revenu là, je vais pouvoir déposer du stuff dans la box. Tout déplacer. L'analogique qui répond quand il a le temps, ça j'adore aussi. Je vais garder ça. Ok. Bon, on y retourne. Bon, je vais avancer en direction de la zone de mission. Qu'on puisse se barrer de ces marécages au plus vite parce que la zone va me donner très très vite mal au crâne. Oh là là. Salut Jean-Jacques. Salut. Bye bye. Bonjour. Oula. On va parler des feuilles de bananier au-dessus de ta tronche là. Mais c'est elle. Une petite mine complètement fonfon. Des plantes vertes dans son dos. C'est à cause d'elle l'état de mon Tiflosion. C'est elle qui fournit tous les fonces des mannes du coin. C'est pas toi, c'était toi qui disais que tu voudrais pouvoir sélectionner des Pokémon pour les relâcher et pas faire ça un par un. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, tout à fait. Avoir un système de multi-sélection, certes, mais de multi-relâche également. C'est elle la dealeuse. Bah oui, voilà, c'est elle. C'est elle la dealeuse de cannabis. Ouais, c'est à cause d'elle également que le Serbilin est vert. Bah voilà. Voilà. Et mon Tiflosion, exactement, c'est vraiment le client fidèle, quoi. Merci au client fidèle, quoi. Bah, c'est possible, tu sais. Ah bon? Je dois être vraiment trop con, lorsque j'ai pas compris la mécanique. Cette espèce de balle, là, a pas besoin d'invention du groupe Galaxy, puis Martial, là, t'as roulé un tarpé de la taille de la Tour Eiffel, et puis, fais tourner le bang, et puis voilà. Eh, mamie, à un moment donné, t'es en train de se taper ton marais pourri, là, donc t'enchaînes. Qu'est-ce qu'ils ont tous qu'est-ce qu'il veut Cynthio? Il veut quoi lui? D'autres streamers n'ont pas trouvé de suite, t'inquiète. Merde! C'est-à-dire que d'autres l'ont trouvé et pas moi? Oh, je suis le pire. J'avais joué à Uzul, vite fait, ouais. Très vite fait. Ah, par contre, bien la reverb. 33 niveaux de plus, hein. Burn, baby, burn. Ça, c'est impossible. Comment, avec autant de niveaux d'écart et de stats d'écart, il peut mettre autant de dégâts? N'importe quoi. Ben pour la peine, tiens, regarde. Là! Comment ça, c'est overpower? Non. C'est juste. Baf! Crève. On connaît ça, la puissance de ces Pokémon a été codée par le mec qui a codé également les dynamiques des véhicules dans Dirt 5. Ok.
C'est bon? Ah, volontiers. Évitera un déplacement et ne gaspille une potion. Je veux bien. Merci. Les fragments de mur qu'on a volés à la Géna. D'accord, vous êtes bien, vous. Eu un vol. Je suis fait tout shot par un ectoplasma avec 30 levels de moins que moi. Eh, d'accord, oui. Des détrousseurs. Sœur voleuse, ouais. Très inspiré. 90 devant. Et toujours le même talent pour dealer. Oh la vache. Bon, ça fatigué. Ah bah, 90 devant à respirer la même cam, à un moment donné, je veux bien comprendre. Ouais. Ouais. Bon, allons voir ce fragment de mur qui normalement doit correspondre exactement à ce que tu as volé. Non, hein, on s'en fout, on s'en va. D'accord. Donc là, c'est tirons-nous. Mon petit canard bleu là, c'est pour quand? Ah, voilà, ça y est, encore les. Cringeman. Cringeman, le retour. Vous, dans le genre atroce, vous vous posez là. Oh, taisez-vous. Taisez-vous. Ah, c'est le fameux campement de tout à l'heure. Et c'est alors que Scénarium. La position de ces pierres avec ces bûchettes parfaitement alignées sur ce sol meuble. Tiens. Quelle étrange architecture. Oh. Ah mais c'est... À peine. C'est les chanteuses de gemmes, c'est ça ? Mon symbole est le pain. Car je suis la plus grande et comme le feuillage de cet arbre, ma jeunesse et ma beauté sont éternelles. Non. Yance la canette. Oh, t'as l'air déjà chiant de toi. Mon symbole c'est le bambou. Ah. 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 Plante de l'abondance qui flétrit jamais et qui propage sans cesse d'innombrables nouvelles pousses. Hermance, je suis la Benjamine. Comme une fleur de prunier, dont le fruit fait bien chier d'ailleurs, faut le savoir. Littéralement, voilà. C'est la team Rocket locale, quoi. Noterai tout autour de l'écran speedline.gif. Dis donc, les nanas, là, c'est bien joli d'avoir comme représentation des arbres, mais ce serait bien de se contenter de les représenter et pas de les fumer en même temps. Ah, vous en êtes là dans votre vie ? Boom. Garance, la championne de Free Mapic de Diamant Perle. J'ai jamais joué à Diamant Perle. Team Palaref. Team Rocket de Witch. Ouais, j'avoue que... Ouais, ils sont... Ah bon, d'accord. Ah bon, c'est tout.
sont déjà chiantes. Hein. Quoi? Qu'est-ce que... Allô? Qu'est-ce que c'est? C'est qui? Allô? On va monter. Y'a qui là-haut? C'est qui? Qui c'est? Arrête, y était. Arrête, arrête, arrête. Oh merde. Une autre mythe, encore plus grosse que les autres. Quoi? Deux secondes. Hey, c'est toi que j'ai entendu. Ah, c'est toi que j'ai entendu. Tiens, tiens, tiens. Le gros Raichu. Y'a aucun con où je peux me planquer. Ok, il va falloir l'agro fine. Ok. Vu, et je veux... Grosse souris. T'es mal à taille du rat. T'es mal à taille du rat électrique. Non. Hey ho. Hey ho. Alors, oh merde. Ah, on a peut-être dû le prendre par surprise en fait. On a peut-être vraiment dû le prendre par surprise en fait. Pardon. Ah il est bien lui. Ah il est bien. Ah il est bien, il est bien, il est trop bien. Il va être bien, il va être bien, il va être bien. Bon, je sens qu'il va me plaire lui. Cadeau. Ah ah! Oh merde, il brûle! Oh non, 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 non! Ah! Ouh, t'as fait mal! Ah non, ah non, il va te. Tiens, pour une grosse souris, voilà mon gros chat! Ah! I turn now! Ouais. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Let's go, let's go. Hop, dans la boîte. Allez. Merde, il sort. Ah. Ah, c'est pas très efficace, mais quand même, hein. Oh non. Ne meurs pas, petit gars, ne meurs pas, petit gars. Ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas. Que les deux autres soient pas KO pour rien, ne meurs pas, bordel de merde. Ah, il ressort encore! Oh, terrible! C'est pas nécessaire! C'est pas nécessaire! Merde! Oh, il brûle! Pas grand plus grand chose maintenant, hein! Ah non, il brûle plus, il fait dodo! Oops.
C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, pas mal. Comment ça fait à me casser les couilles, lui? Terrible. Énorme désillusion. L'Oxray qui va être au chômage. Non ? Bon, oh non, l'Oxray, bon. Il y a Raichu, mais quand même. Tout de même, tout de même. Oh, petite flamèche là-bas, vu. Tu l'as vu? Quoi? Mon cul. Bon, lui, on a compris, ça sert à rien de parlementer avec lui. C'est, on l'a gros... Il te rapproche pas donc ça, il au secours. Oui, voilà. Pli. Tiens, sort ta gueule. Alors. Viens là qu'on discute. Viens. Qu'est-ce qu'il va se manger? Un petit grille-pain? Une grosse baballe? Petit grille-pain là. Allez, feu! Je vais peut-être m'écarter moi parce que si on balance des Fatal Food, je vais avoir l'air bête là. Ok. Burn, baby, burn. On tente. La grosse souris. Il ressort. Merde. Bravo. Ça va faire mal. Ça fait mal. Allez, on relance. Oh, c'est bon. Dans la boîte. Hop, zblé. C'est bon, ça m'a coûté qu'un KO au final. Ouh, niveau 52. Eh ben, nice. Très très bien, pour Bibi ça. Pour Bibi le Raichu, bien sûr. Voilà. Le baron Raichu dans la boîte. Non mais oh. Faut que je capture un Fantominus pendant qu'il fait encore nuit. Oh, tu m'as pas vu, tu m'as pas... Oh, le con du fiac. Coucou. Niveau 24. C'est acceptable. Allô? Merci. Hop, merci. Au revoir. Zblé. C'était que ça? C'est si mal attrapé la nuit. Pour attraper des Pokémon nocturnes, je trouve que c'est plutôt une bonne idée de les attraper la nuit.
Oh, qu'est-ce qu'elle veut la grosse mythe là? Suffit, oui. La gueule que ça, ça aussi d'un point de vue cringe, ça se pose là. Hein. Ah! Non mais oh. Salir. Saleté. Oh là, ça remue là-dedans. Hein. Qu'est-ce qui va m'en sortir? Un gros lème? Ah non. Un caillou chant comme la pluie. Non, ça devrait suffire ça. T'es mal à tête du Magic Mush. Hop, ça dégage. J'ai raté quelque chose. Comment ça, t'as raté quelque chose? Non. Oh bah dis donc, tant d'items. Y'a quoi là-dedans? Des fèves dodu. Ah ah! Intéressant. Et c'est tout, genre il y avait un Fantominus. Miel qui brille. Ouais, mais on trouve un merdier là-dedans. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, salut, salut, salut. D'accord, il y avait un Fantominus, quoi. C'était le Fantominus de la zone. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et c'est pas vrai? Mais il est terrible celui-là! On va la paix un peu là! Ok, bon bah je suis ravi, j'ai chopé le Fantominus de la zone. Parasect. Oula, oula. Ah, c'est bon. Ah, pas moyen de longer. Oh, bonjour. 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 Pas de shiny dans le tas, m'intéresse pas. Au revoir. Tagadette, 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 tagadette. Salut. J'ai été chercher ta brique. Ah oui. Incroyable. Oubliez qu'elle a toujours vécu à Izui, qu'elle a donné de sa personne pour servir le clan Perle, guidé par sa foi en le grand Sino. Passe à la suite. Apaiser Ursa King, voyons. Belle entrée en matière, hein. On arrive là-dedans, bonjour. Salut. Castor est aussi gros qu'elle, quoi. Et j'ai ton morceau de mur, tu vis. J'ai retrouvé les fragments, incroyable. Ça y est, mamie, elle a des QV instant, quoi. Oui. Ça va encore être un combat à la Zob comme la dernière fois, là. Oh là là, mon dieu. Derby. J'ai tout compris. D'accord. Et donc ? Le plateau tourbeuf. Ah oui, donc c'est pas ici. Je pensais que ça allait ouvrir genre une salle secrète, il était derrière quoi. Non, pas du tout. Rendez-vous sur le plateau Tourbeuf afin d'y rencontrer Ursa King. Ah bah oui, bah oui, bah oui. La zone était trop lisible, il fallait rajouter des conditions météo dégueulasses. Sinon c'est pas drôle. What? Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Tiens au jus. Voire jamais même. Il est revenu Jean-Michel Norme là? Ah bah non, je crois qu'il faut reload de la zone.
Tais-toi, t'es moche, t'es dégueulasse. C'est horrible. Ah. Ah, j'ai plus de place. D'accord. Encore ? Incroyable ça. Quoi, c'est un inventaire de fragile ? Mais il y avait un objet là à ramasser là. Je l'ai jamais récupéré. Idiot. Où est-ce qu'il est ? Alors. C'est dessus. Quasiment. Ah oui. Vu. Allez. Voilà. Et bon. Oh mais merde à la fin. C'est bon, on a trouvé des cringemen de la zone quoi. Je me suis fait chier à travers les arbitres pour finir, bah elle le redit. Oui, c'est peut-être pas plus mal. Je le fais certes une trad au scénario, mais une trad quand même. Watox. Du Quatox, blablabla. Ah bah du Quatox, mais du... Oh ! Un caillou ! C'est marrant, c'est très standard comme Pokémon, ça. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, bordel de... Petit. Oh, d'accord. Mais merde, mais c'est quoi cette zone de fou? Au secours! Il en a pris ma gueule là, le merdier là? Mais oui! Non? Je me cache. Putain de bordel de. Lève-toi, la con de toi, lève-toi! Go! Ah mais à un moment donné, faut prévoir de me lâcher les couilles quoi, je veux dire... Non ? Ok, tiens, paf, pif ! Au secours ! Carte, hein. Je le vis bien. Elle me tourne pas le dos. Oh merde. Je vais pas le battre. Bon. Décidément. Tiflosion, il fait ce qu'il peut, hein, mais par moment, là... Pas dur, hein. Son hippopotame, il est type sol. Mais je sais bien, mais j'ai vu sur Tiflosion parce que ce connard m'est tombé dessus, je l'ai pas vu venir. Bordak, tiens! Que c'est le Bordak? Ah, c'est un tronc! Putain, avec la perspective, je croyais voir tout à fait autre chose, moi. Alors, arrête. Hein. Versus Hippodocus, tu t'attendais à quoi? Mais me cassez pas les couilles! C'est lui qui était sélectionné sur le moment, j'ai balancé le premier qui est venu! Faites pas chier!
C'est terrible, ça. Bordel de merde. C'est lui qui était sélectionné sur le moment où l'autre il m'est tombé dessus. Vous croyez que j'ai eu le temps de chercher à comprendre? J'ai balancé le premier qui est venu, basta. On rigole. Bah pas moi. Ouais, vas-y, on en termine, j'en peux plus de cette zone là. Cette zone horrible. Fais pas d'effort aussi. Prends la manette. Un peu de ma flûte céleste. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi toutes les variantes de cette région, ils ont l'air d'être foncedées jusqu'à la moelle? Mais surtout, c'est qu'il est un peu énorme, quoi. C'est interdit d'attraper. Il est de quel type? Sol normal, putain. Putain, putain. Putain. Allez, brûle. T'es mal à la taille de Winnie l'ourson, quoi. On va se détendre, le frérot, là. Ouais. Mais bon, c'est ok? T'es calmé, Nounours, là? T'es calmé, Winnie l'ourson? Un remède secret. Il est bigrement efficace, bigre fichtre! Incroyable, on l'appelle le détox. Apparemment, ça devait passer pour une tendance New Age à l'époque. Ah bah ça alors, surprise. Sympa le remède. Ah non, pas du tout. Oh d'accord. La taille du bestiau. D'accord. Yeah. Ah non, il brillait pas. Et le modèle baron, ouais, il doit être assez colossal, ouais. Mamie qui veut joujou du pipeau, bah super. D'accord. La plaque terre. C'est celui qui me la donne. Ah bon? Et là, pour faire des fouilles, je vais désormais appeler Ursaking en guise de monture grâce à la flûte céleste. Je vais déterrer des trésors. Je précipiterai aussitôt vers lui. Et son bouton Y pour déterrer un trésor, ça sera peut-être une bonne surprise. Oh tiens! Ah ouais! Marrant.
Super, j'ai un ours renifleur de truffes. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non. D'accord. Je sens qu'il va être bien le pote là. Il peut accélérer sinon? Ah non, il est au taquet. Hein. Écoutez ce bruit. Écoutez ce bruit de radar de recul sur un tracteur, sur un camion. Galets noirs. Ah oui, quand même. Ah oui, ok. Oh. Tiens. Alors, peut-être. Le con. C'est bon, je l'ai eu. Ok. Ok, ok, ok. Ah, il est sympa, lui, là. Il est sympa, le renifleur de truffes, là. Ah, merde. Par contre, il peut pas accélérer, donc c'est compliqué. Hein. Les distorsions spatio-temporelles sont sur le point de s'ouvrir. Y aller encore. Ah, droit devant moi. Le gravalanche qui tue son meilleur roulé-boulé là. Allez. Putain, j'ai même le chiffre dans une casse-couille, c'est qui m'emmerde. Mais c'est pas du possible, c'est pas pareil casse-burne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais faire un gros par une grenouille. La paix, saloperie. T'es dégueulasse en plus, vire. Tiens, hop, dégage. Oh, du coup ma monture elle est canax. Elle va mettre combien de temps à revenir? Ça va être terrible ça. Ah c'est bon, il est déjà là, oh bah ça va. Je l'encaisse. Un effort par pitié, pitié, pitié. Ah c'est joli ici, pas du tout. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Oh là oui, d'accord. Oh là ouais. Oh le gros blaireau. Oui, casse. Je connais pas la zone, mais j'y fonce tête baissée. Hein. Ah. Faire tout le tour, OMG. Allez, c'est parti. Y'a eu dada, hein. Bah, par ici, c'est bon. Oui. Ah bah, c'est plus bon. C'est difficile. Vite, je sais pas combien de temps ça reste, mais ces trucs-là. Moi, je veux voir. Vite, je veux voir. Ah, c'est alors qu'un village, c'est alors qu'un bivouac, c'est alors qu'un tas de merdier. J'arrive. Deux secondes, hein. Plus tard. Je suis pas là encore. C'est quoi cette espèce d'immense étron là? Il est où mon ping? Ah oui. Ah, faut que je continue de faire. Ah, c'est de la courage. D'accord.
Ouais, je passe très rapidement, hein. Salut, hein. J'ai pas le time. Bonjour. Ouais, salut, ouais. C'est ça, ouais, salut, on se tient au jus. Hein. Ouais, salut, ouais. Salut. Ouah, salut. Bonjour. Putain de nom de Dieu. Aonix. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non mais... Quoi? Ok. Ah, la zone n'est pas encore active. Ça devient violet. Je suis arrivé trop tôt peut-être. Oh, l'un de ces énormes cringe man géants. Mon dieu. Donc quoi ça... ça veut dire quoi? Je dois revenir plus tard? Oula. Oula. YouTube. Vous allez me trouver cruel, mais c'est déjà 1h10 de VOD. Je sens que la prochaine, on va se farcir cette faille. Les regrets. La réussite. Ah ça, la prochaine et au prochain épisode. Des bisous YouTube. Au revoir.